Voilà une décision qui va ravir David Hallyday et Laura Smet. Olivier Marchal a révélé dans les colonnes du quotidien Le Figaro, en kiosque lundi 11 mai, qu'il allait se charger de la réalisation du biopic sur Johnny Hallyday, un beau projet pour rendre hommage au rocker disparu le 5 décembre 2017 à l'âge de 74 ans. Si pour le moment il est encore un peu tôt pour parler de la distribution du film, le réalisateur de 36 Quai des Orfèvres a toutefois dévoilé la chronologie de ce biopic. Et il y a un point qui ne sera pas du tout prévu dans le scénario, la guerre d'héritage entre sa veuve et ses deux premiers enfants. Nous partirons de ses 18 ans jusqu'à sa mort sans aborder les problèmes d'héritage, explique ainsi Olivier Marchal au quotidien. Johnny était un type adorable, charmant. Il a eu 10 vies, il me touchait beaucoup. Il avait un talent fou. Une guerre d'héritage qui a toutefois beaucoup marqué les mois qui ont suivi la disparition de Johnny Hallyday, et qui n'est toujours pas terminée. Après un lot de rebondissements, une dette fiscale de 13 millions d'euros de Laetitia Hallyday est venue chambouler cette affaire, tandis qu'il était question pendant un temps d'un accord entre les deux parties. Laura Smet, ce que je vis depuis 2 ans est tellement glauque. Si les deux aînés de Johnny Hallyday tiennent à obtenir leur part d'héritage face à Laetitia Hallyday, il se trouve que cette bataille commence à lasser Laura Smet. Ce que je vis depuis 2 ans est tellement glauque, avait-elle ainsi lancé dans une interview accordée à Madame Figaro en décembre 2019, voyant notamment son métier de comédienne comme une vraie bouffée d'oxygène. Si David Hallyday et Laura Smet avaient remporté une première bataille dans cet héritage, Laetitia Hallyday, elle, avait renoncé à faire appel de la décision de la justice française, qui s'est déclarée apte à gérer cette affaire.